À toi, c'est Erwan de EspritRentier.fr. Je publie régulièrement des petites vidéos d'analyse de mes trades pour qu'on apprenne en commun. Et aujourd'hui, on va voir l'action REIS, dont tu peux lire le nom ici, REIS Incorporation, United States du Nasdaq, parce que je ne trade que des actions US. Voilà. Blablabla. Donc là, c'est une action que je connais bien, que j'ai déjà tradé. Typiquement, c'est une action, je pense, que j'ai pris sur la watchlist que m'envoie Nicolas Bazar tous les matins. J'ai suivi sa formation. D'ailleurs, je te mets un lien dans la description parce qu'il y a quatre vidéos gratuites de formation qui expliquent un peu les bases du swing trading que moi j'ai bien apprécié. Je te conseille donc de faire un petit clic dessus et puis on va partir sur cette analyse. Donc on voit que c'est une action que j'ai déjà tradée parce que mes entrées de trade sont en bleu et mes sorties sont en rouge quand elles sont avec perte ou profit minimal. C'est comme ici, puisque tu vois que je suis sorti au-dessus de ma zone d'achat, mais en fait on est vraiment sur un gain mineur. Et ici, le deuxième trade avec une entrée, donc c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Une entrée le 20-09 et une sortie eh ben, le 25-09. Donc je suis entré à 18-35. J'ai mis un stop loss, eh ben, j'ai conservé le stop loss précédent à 16,80 que tu peux voir ici. Et j'ai à nouveau, c'est quand même incroyable cette manie, j'ai à nouveau rehaussé mon stop loss. Donc là, j'évolue sur ma stratégie pour vraiment maintenir des stop loss initiaux, prendre des profits intermédiaires, et puis bien sûr, en fonction de mon stop loss, calculer le nombre d'actions que je dois acheter en fonction de mon money management. Le money management, c'est l'outil, enfin on va dire, c'est pas vraiment ça peut être un outil, moi je l'ai intégré dans mon journal de trading, que tu peux d'ailleurs télécharger sur mon site gratuitement, mais le money management, c'est avant tout la base du trader qui ne veut pas brûler son capital rapidement et qui veut le faire progresser. Voilà, tu tapes Money Management sur Google, tu vas voir, il y a énormément d'informations. C'est la base. Voilà, et donc, bah, écoute, moi, l'action est montée. Alors, pourquoi je suis rentré sur cette action? C'est ça qui est intéressant. Bah, écoute, déjà, tu vas voir qu'on est dans un magnifique canal. Quand même, si celui-là, il n'est pas beau, hein, avec bas, haut, bas, haut, bas. Donc vraiment un très beau canal qui est baissier, mais vu son amplitude, puisque entre, par exemple, si je prends ce point-là et que je prends le point d'après, on a quand même 28% entre la zone de support et la zone de résistance du canal. Donc il est très intéressant. Par contre, on voit aussi que c'est un canal intéressant, mais que c'est un canal de swing trading. C'est-à-dire que là, on est venu buter le 15 mars et il a fallu attendre fin juillet pour arriver au plus haut. Donc c'est 30%, mais c'est 30% sur 4 mois. Voilà. Donc là, moi, cette action, décidément, j'ai pas su bien la trader puisque j'étais rentré une première fois ici. Ressorti là, puisque j'avais rehaussé mon stop loss initial que tu vois là, que j'avais mis au niveau de la zone support, et je l'ai rehaussé parce que l'action est montée, elle est redescendue, et c'est bien dommage parce qu'en fait, tu vois qu'elle est venue faire un double bottom, donc c'est-à-dire que quand tu as deux bas, tu vois, un bas, une tête, un bas, c'est typiquement un signal de retournement, et tu vois que c'est le cas, c'est-à-dire que l'action a descendu. Elle a tapé deux fois bas à peu près au même niveau et hop, elle est repartie à la hausse. Donc le signal était bon. Je peux regarder si au niveau du stochastiste, comment ça se passait. Bah, tu vois qu'ici,
Donc moi, je prends le temps hein, sur mes analyses de faire en direct. Si tu veux que ça aille plus vite, je te conseille de mettre x2 en mode lecture sur YouTube. Ça marche très bien. Moi, je fais ça quand je regarde des vidéos sur YouTube. Voilà, donc tu vois en fait que quand j'étais rentré ici, on avait un signal au niveau du stochastique, on avait une divergence qui était bien nette et surtout de très beaux volumes. Voilà, et sur le deuxième rebond, on voit aussi effectivement qu'on a eu des volumes intéressants. Donc je suis rentré toujours avec l'idée de profiter de ce canal, le 20,09, sur le stop loss, comme je disais, à 18,80. Et eh ben, on va savoir pourquoi je l'ai rehaussé. Je l'ai rehaussé ce stop loss à 17,80 et manque impatience sans doute. Mon stop loss a été déclenché là, alors qu'on voit que la stratégie était bonne puisque l'action a rebondi au-dessus du stop loss initial de ce deuxième trade et qu'elle est repartie à la hausse. Donc là, j'ai été rentré à peu près ici. Si je fais un calcul, eh ben, je suis passé à côté, on va dire, des 7,30%. Pourquoi 7,30%? Bah parce que je pense que je serais sorti ici. Comme tu vois, on a une bougie rouge en forme de marteau qui est aussi en forme de hanging man, désolé, homme pendu. Le marteau, c'est plutôt quand tu es en bas sur une zone, sur un rebond de support. Là, c'est un signal d'inversion à la baisse, assez net, suivi d'une deuxième bougie rouge dans le même sens. Le lendemain, donc je serai certainement sorti ici à 7%, ou en tout cas j'aurais rehaussé mon stop loss sans doute, j'aurais sans doute rehaussé mon stop loss bah, tout simplement à peu près au niveau de ma zone d'achat après avoir sécurisé des gains autour des 19,50. Voilà, mais bon, cette action, elle a encore de quoi donner. C'est pas terminé. Je vais peut-être patienter. On va voir, après tout, si le canal se poursuit. Pourquoi pas faire un short dessus? Ça pourrait être une idée, parce qu'il est quand même assez prononcé. C'est un très beau canal. Voilà. Bah écoute, c'était l'analyse de l'action REIS par Erwan de espritrentier.fr. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur le site. À me mettre un like, un pouce, un beau petit pouce si tu apprécies cette vidéo. Et puis surtout, à me laisser des commentaires. Il faut qu'on progresse. On est là pour progresser ensemble. Donc, si tu as des conseils à me donner, je suis preneur des questions à poser. Ben, j'essaierai d'y répondre autant que je peux. Et puis, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit si tu es le soir. Ciao, ciao.